Bonjour à vous toutes et à vous toutes, et bienvenue sur votre chaîne YouTube Radio Papyrus, de votre consultant épique pour les radios LACES.fr, la radio RDC.fr et la radio Agora. Toujours un réel plaisir de vous retrouver pour vous divulguer vos pronostics épiques. Alors l'un de mes abonnés, merci à lui, m'a attiré un petit peu l'attention ce matin dans l'un de ses commentaires en me disant qu'il y avait des tarifs de jeu au PMU qui avaient augmenté. Donc, j'ai mené ma petite enquête, bien sûr, et c'est vrai qu'on n'a pratiquement pas été mis au courant, ou alors si certains étaient mis au courant, tant mieux pour eux. Et c'est vrai que dans le journal de Turf, bon, encore faut-il lire le journal de Turf, j'ai vu qu'il y avait un petit encarté avec les nouveaux tarifs. Alors, le quarté qui était à 1,30€ passe à 1,50€, 20 centimes de plus. Le jeu simple, le couplet et les trios sont à 2€. Donc maintenant, quand vous allez faire un jeu simple, c'est 2€. Un couplet à 50 passe à 2€. Et le trio, pareil. C'est vrai qu'au temps où l'inflation galope, bah voilà, ils ont augmenté les prix comme ça du tiercé, du, enfin pour l'instant du quarté, du jeu en simple, du couplet et du trio. Comme ça, sans rien dire, parce que je connais également des patrons PMU, ils n'étaient pas au courant. Donc voilà, c'est passé comme une lettre à la poste. On n'a pas fait un certain nombre à deux chiffres, virgule, hein, vous me comprenez de ce que je veux dire. Mais voilà, on n'a pas fait le passage en force, mais presque. Donc, personnellement, je fais mes pronostics comme d'habitude parce que c'est une passion. Je jouais déjà moi aux courses, aux jeux. Bah, on fera des jeux moi, c'est tout. Hein. S'ils veulent des jeux aux courses, c'est pas facile du tout à trouver, surtout en ce moment. Bah, s'ils veulent augmenter les prix et faire perdre des clients, bah, c'est voilà, hein, c'est à eux de voir ce que ça va donner. Alors j'attends vos réactions dans les commentaires, mes amis. Et puis, ben voilà, il ne faut pas se laisser faire non plus. Hein. Un jour ou l'autre, je peux vous dire que ben, certainement, ils vont augmenter également les prix au tiercé, au quarté et au quarté. C'est ce qui va arriver, je peux dire. Donc, voilà. Bon, bref. Revenons à nos moutons. Mais là, c'était pour vous mettre au courant quand même, parce que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont au courant. Maintenant, voilà, vous êtes au courant. Pour notre samedi 25 mars, notre quarté aura lieu sur l'hippodrome de Vincennes, conditions de course. Réunion 1, course 4, départ comme d'habitude vers 15h50. Distance 2850 mètres, grande piste, 15 au départ. Allô, qui tient la route, mais on peut encore avoir des surprises à l'arrivée de ce quarté, hein, parce que vous l'avez vu hein, encore dernièrement, c'est pas facile du tout à trouver les... Mais bon, les bonnes arrivées, mais bon, ça fait partie du jeu. J'ai bien sûr placé en tête de ma sélection le 11, Hussard du Landré. Mon cheval du jour pour ce quarté vient de prendre une belle quatrième place dernièrement. C'est un solide point d'appui pour vos jeux dans le quarté, j'y crois beaucoup. Après la gagne, ça va se jouer un peu de choses. Et je lui oppose le 14, Cache du Rib. Attention à lui, prend de très bonnes places. Tous les feux sont ouverts pour une belle performance. Le 4, Usantol. Attention aussi à ce cheval, peut venir prendre une belle place. Mon très joli coup de cœur sera le 8, Élite de GL. Mon coup de cœur pour ce quarté, j'y crois beaucoup pour une belle place. Donc, mes 4 bases, le 11, le 14, le 4 et le 8. Le 14, je l'ai peut-être placé assez haut dans ma sélection, mais j'y crois beaucoup. Donc, voilà. Le 5, Hokkaido Gel, plutôt pour une place, tout comme le 13, Elvis du Wallon. Le 12, Décoloration, sera beaucoup de folie. Et je termine ma sélection par un cheval que vous n'allez pas du tout retrouver, ou presque. Pourquoi je l'ai mis? Parce que je tente un coup. Et son driver, je l'aime bien, donc je le mets toujours. C'est le 7, Inoubliable, qui sera mon coup de poker. En cas de non partant, le 6, qui sera mon très très gros regret, mais il faut choisir. Mais de base, le 11 et le 14, mon très joli coup de cœur, le 8, mon coup de folie, le 12, et mon coup de poker, le 7. Mais 2 sur 4, le 11, le 14 et le 4, mes couplets gagnants placés, le 11, le 14, le 4 et le 8, je répète ma sélection, le 11, le 14, le 4, le 8, le 5, le 13, le 12 et le 7. Voilà, c'en est terminé pour ma sélection pour notre samedi 25 mars. Retrouvez bien sûr cette sélection sur la radio LACES.fr, sur la radio RDC.fr,
J'étais toujours sur le site de la radio Agora, bien sûr. Donc, je me répète encore, un quintet pas facile du tout à trouver, parce que j'ai deux bonnes bases qui sont le 11 et voire le 14. Et après, voilà, j'ai mixté un petit peu tout ça, parce que les chevaux sont pas vraiment top top. Donc, il faut choisir de ce côté-là. Donc, vous avez vu hein, au début de la vidéo, petit coup de gueule, parce que bah on augmente les prix comme ça. Bon, bah, on jouera moins aux courses, hein, et puis c'est tout, hein. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. On fera quelques petits jeux comme ça, et puis bah, voilà. En tout cas, merci pour les commentaires que je reçois sur ma chaîne YouTube. Et vous avez vu que ma nouvelle rubrique, mes deux outsiders préférés, marche très très bien. Voilà, sur ce, à demain pour de nouvelles aventures. Ah, j'oublie, allez les bleus quand même pour ce soir, et allez les bleus, hein. Allez, à demain pour de nouvelles aventures avec le Squall, l'Ansois, le Pharaon des courses.